Le thème de cette année, c'est « On refait l'amour ». On refait l'amour parce qu'on l'a déjà fait. Il y a 10 ans, on l'a fait. Et à ce moment-là, moi, j'avais lâché les stages, j'avais trop de travail, donc j'avais délégué à quelqu'un. Pour les clowns, quoi. Et puis, c'était pas très bien. Enfin, ça m'avait pas plu. Comment ça s'est passé et le résultat non plus. Et j'ai toujours dit, oh, c'est dommage d'avoir raté ce thème si beau quand même. Voilà, c'est pour ça que je refais l'amour, pour le faire moi avec les clowns. Je fais l'amour avec les clowns. Eh ouais, bah ouais, c'est comme ça maintenant. Elle va jouer son drame de l'amour. Alors le drame, c'est du drame, hein, c'est pas, oh là là, c'est pas du, c'est à pousser clown. Comme si en fait cette chanson était destinée à quelqu'un, elle reçoit ça, elle est toute seule, hein, c'est pas forcément comme ça, un peu de titiller, mais une fois que je dis stop, le clown qui est au milieu, il joue son drame. Un trésor que tu donnais, comme on vit son porte-monnaie, dans la main d'un plus paumé. Stop. Ça va, ça vient. Drame, c'est drame comme si t'étais à Avignon, hein. Oui. Allez. Voilà. Oh, oh, oh. Ah, mais où je me suis La création du spectacle, ben, c'est Anne qui a les rênes et elle a des idées, elle nous propose des choses et elle nous embarque et nous, c'est des impros en fait, enfin, on fait que à partir d'improvisation, on part de nos mots. Chacune, chacun dans le spectacle dit, c'est que ses mots, c'est que nos propres mots, donc c'est notre parole. J'insiste sur des choses basiques déjà, du jeu, de l'enracinement, je parle beaucoup des pieds, de la présence, du regard, du jeu, de la jubilation, du plaisir, du jeu, de l'enfant. De l'enfant qu'on a en soi. Voilà, qui n'a pas forcément beaucoup joué. Hein. Bon, voilà comment je fais. Après, je propose des. Je fais des propositions. Je fais des propositions de jeu, c'est tout. Puis après, je les regarde et je les touche. Oui, je parle de ça aussi, toucher beaucoup. De se laisser toucher dans tous les sens du terme. Se laisser toucher physiquement, se laisser toucher par soi-même, par les autres. Tous les exercices que Anne nous fait faire en stage clown, c'est la matière qu'on va avoir à modeler pour faire le spectacle. Et c'est cette matière qui fait qui fait l'union du groupe.
On passe énormément de temps à être ensemble, à évoluer dans l'espace ensemble, soit individuellement, soit avec du contact. C'est des exercices de groupe qui sont très bienveillants et ça nous met dans cette bulle d'amitié et de famille qui nous rend aussi soudés, quoi. C'est tous ces exercices qu'elle nous fait faire ensemble où on est tous un peu dans la même merde à faire des trucs qui sortent complètement de l'ordinaire et d'un coup t'es un groupe de 14 et il faut vivre une rupture tous ensemble comme si on faisait qu'un. C'est se surpasser, c'est oser aller à des endroits où on ne va pas habituellement dans la vie courante. C'est faire des choses qu'on a envie de faire mais qu'on ne fait pas parce que c'est pas comme ça qu'on fait, quoi. Je voudrais quand même. Je voudrais quand même. Oh, je voudrais quand même. Pourquoi on m'aime pas? Pourquoi on m'aime pas? On m'aime pas. On m'aime pas. Pourquoi on m'aime pas? Pourquoi? Pourquoi? J'ai l'impression que le clown, je voyais une image du clown comme un espèce de petit oignon nouveau, tu sais, qui a différentes peaux qu'on enlève, alors ou qu'on s'enlève soi-même, puis des peaux qu'on remet, parce que souvent les costumes, moi j'ai l'impression de prendre une nouvelle peau, et je voyais un peu le clown comme un petit oignon nouveau. Ça me plaisait bien cette image du clown. Voilà, après, je sais pas ce que j'en ferai de cette image, mais je trouvais ça assez poétique. Je me sens... Je me sens bien, parce que c'est quand même... Il y a une bonne dynamique dans ce groupe. Les gens sont gentils. Il n'y a pas de... Mais sinon, en temps normal, oui, justement dans la vie, je suis pas toujours bien dans les groupes, voilà. Ça, c'est clair. Des fois, j'ai l'impression que j'ai pas ma place. Que justement, Anne, elle nous fait comprendre que là, tout le monde a sa place. C'est pas toujours facile à assimiler, en fait. C'est ça qui est... Je sais pas si elle s'en rend compte, mais il y en a qui sont bloqués, quoi. Et ce qu'elle dit, de se mettre en avant, tout... C'est pas toujours évident. Ça. Tu sais faire, ça. Ouais, ça fait soupirer, c'est normal. Soupir. Ouais, c'est pas facile. Ça peut émouvoir aussi. Oui. Et t'as le droit de filmer. Ouais, même si ça fait un peu peur, mais. Oui, ça fait peur. Ouais, et ben, c'est pas un cordon. Va à cet endroit-là, si ça fait peur, va à cet endroit. Si lui, offre-lui ça, toute ta voix, tout ce que tu sais. Mon cœur, mon cœur, mon cœur. Il va, il vient,
Il va et revient. Il va et il revient. Et oui, il se balance de droite à gauche. Il voyage, voyage, loin, très loin. Il voyage partout, partout. Et jamais ne s'arrête. Non, jamais il ne s'arrête. Et c'est ça dont ça parle, ce moment-là. C'est pas autre chose que ça. Hein? C'est de nos chagrins, nos douleurs, nos émois, de nos tristesses. Et là, je veux dire, tu fais ça, ben c'est ça, le public, il est... Voilà, et c'est ça le clown aussi, parce que ça permet ça. Alors, ce qui m'inspire pour mon personnage, peut-être l'opposé de ce que je suis dans la vie courante. Et puis après, c'est vrai que ça vient comme ça. Ça vient comme ça. C'est vrai que quand tu commences une impro, tu sais même pas vers quoi tu vas aller la moitié du temps. Si tu prépares quelque chose, ça affiche tout en l'air, t'es pas naturel. Tu peux arrêter tout de suite. C'est vrai que j'ai tendance à aller vers des personnages, des situations à l'opposé de ce que je suis vraiment. Ah, je suis très choquée. Je suis très choquée. En tant que membre, même pas membre, présidente de l'association de... J'ose même pas le dire. Et surtout, on ne change rien. On reste sur des vraies valeurs. J'ai entendu parler de... Ah, je ne peux même pas le prononcer. Oui, madame, je vous ai bien entendu. Oui, moi, je suis pour le mariage. Je vois lequel des deux m'a le plus choqué. Avec le voile. Blanc. Et on ne change pas, voilà. On reste comme ça. Qu'est-ce que tu fais? Je cherche l'amour. Comment tu bouges tes yeux, tu fais un petit bruit, un tout petit bruit, hein. Laisse-le faire d'abord, regarde-le et amplifie ton truc en lui. Je n'ai jamais vu faire comme ça. C'est une nouvelle méthode. J'ai vu ça sur le net. Il y a dans le travail qui est fait, de façon isolée ou de façon communautaire, il y a une obligation d'être en harmonie, enfin très importante. Bon, c'est le cas aussi hein, sur scène en tant que, quand on est comédien, mais il y a une autre dimension chez les clowns que j'ai personnellement un peu de mal à définir, mais que je retrouve forcément dans le travail qu'on nous demande. C'est celui d'être un clown justement, de jouer à être autre chose que on n'est pas. Le clown il joue différemment qu'un comédien joue un personnage. Voilà. Le clown c'est un état. Je crois que le clown il tape partout quoi. Il tape partout, il tape à l'âme, il tape au sentiment, il tape. Et c'est un vrai miroir. Souvent, c'est ce qui doit toucher les gens, j'imagine, oui. Les clowns, c'est un peu des humains non adaptés, quoi. Non adaptés, ils sont jamais là au bon moment ou à la bonne place. C'est des vagabonds
du bonheur, du chemin, de la recherche, de la... Bon, c'est des chouettes personnes d'aujourd'hui, je trouve. C'est des... Voilà. Le clown, c'est l'enfance, quoi. Ouais. Voilà. Il transforme, il joue. Et il joue avec toutes les émotions. La peur, la peine, la joie. Et on n'y pense pas forcément que le clown puisse jouer avec les chagrins cachés derrière les volets. Et ça, c'est beau. Un clown, pour moi, c'est quelqu'un qui est sensible, qui détend l'atmosphère, en qui tu peux avoir confiance. C'est pour faire rire, mais pas que. Enfin, je sais pas, c'est pour... éveiller, ouais, j'aime bien le mot éveiller. C'est quelqu'un qui ose tout, qui va dire des vérités profondes, qui va déranger, qui va remuer, qui va interroger, qui va pas forcément faire rire. Ce que j'ai découvert finalement au fur et à mesure des années par rapport au clown, c'est que c'est pas comme on le croit très souvent, que c'est le personnage qui va amuser la galerie et tout ça. Là, dans le travail qu'on fait, c'est on touche à son intérieur, à son intériorité, à son enfant intérieur, à ses angoisses, à ses peurs, à ses joies. On traverse tout un tas d'émotions et quelquefois, on se soigne aussi avec cette expérience-là, je trouve. Enfin, au fur et à mesure des années, moi, c'est ce que j'ai ressenti. Il y a par moments, le clown m'a aidé dans ma vie personnelle. Mon pilule. Mon ciel étoilé. Mon coucher de soleil. Mon brin d'herbe dans la prairie. Ma prairie jolie. Ma lessive mousseuse. Ma langue juteuse. Ma carotte endiablée. Mon melon froissé. Ma double fesse ronde. Mon globe lumineux. Mon aspirateur lubrique. Mon balai de sorcière. Ma voisine curieuse. On ne voyait pas. Mais non, c'est... On ne voyait pas. Le plus important, c'est l'amour, justement. C'est l'amour que j'ai pour eux ou pour elles, quoi. Toi. Vraiment, sincèrement. J'ai beaucoup d'amour. Pour ces gens qui viennent me voir et me font confiance. Voilà. Donc je peux tout leur demander en fait, je peux tout leur demander et j'adore cette grande, c'est une confiance énorme qu'ils me font quoi. Moi, je suis très reconnaissante de ça. En fait, on commence tous par passer les uns après les autres pour dire pourquoi on est venu là, à cette conférence sur l'amour. Donc moi, quand je passe, comment dire ? C'est incompréhensible ce que je vais dire. Je parle du spectacle, hein, je parle pas de là maintenant, c'est une présentation complètement burlesque où personne va capter ce que je vais dire parce que ça veut rien dire. En fait, à ce moment-là de l'exercice qu'on avait fait en stage, j'étais tombée sur une question auquel je comprenais absolument pas ce que ça voulait dire. J'étais dans le désarroi total à ce moment-là. Et du coup, j'en ai sorti un texte où juste je prends les mots dans tous les sens et j'essaie de faire des phrases avec tout ça. Beaucoup de mots, trop de mots. L'amour obligatoire, l'amour. Au
obligé, vous êtes obligé, sinon vous développez des sortes d'ambiguïtés dans votre corps et après. Et puis explorer les ambiguïtés, l'amour, vous comprenez. Parce que moi, je ne comprends pas l'ambiguïté, explorer l'amour obligatoire. Qui se défaire, explore. Nos obligatoires, experts défaire. Et sans l'amour, pas obligatoire, nos ambiguïtés, explorer obligatoirement l'amour. Mais se défaire de l'exploration de nos amours n'est pas obligatoire. Enfin, si j'ai bien compris, parce que l'ambiguïté, il faut s'en défaire pour l'amour obligatoire. Les clowns peuvent tout dire, après, ce sera pas exhaustif, notre spectacle, évidemment, hein. C'est jamais exhaustif. Enfin, sinon ça durerait je sais pas combien de temps. Mais quoique, je pense qu'on survole bien le thème. Ce qui est intéressant avec le clown, c'est que ça met de la distance et en même temps de la proximité. C'est ça qui est bizarre, mais de la profondeur et de la... Enfin moi, comme je le vois, c'est ça. De la tendresse et aussi qu'on peut faire un tout petit peu... Parce que je suis pas fan du trash, mais un petit peu envoyé chier, quoi, quand même, les choses. Vite fait. Mais voilà, le clown, il peut tout faire, donc... Il peut pleurer, il peut rire, il peut être tout nu. Moi, j'aime bien ça. J'aime bien la nudité du clown. À l'intérieur de lui, hein, évidemment, ou d'elle. Voilà, puis le thème, ben le thème de l'amour, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse aujourd'hui, à part parler de ça ? Pa' que tanta dor, pa' que tanto ódio, se somos irmãos, e temos, e temos, e temos, e dar as mãos. Il y a aussi tout un passage où ils sont tous ensemble. Où l'idée, c'est de représenter l'humanité, le cœur de l'humanité. D'aller vers ça, voilà. Ça nous mène à cet endroit qui serait tellement beau d'atteindre un jour, mais bon. Les clowns, on fait les clowns. Le truc de la tapette. Le truc de la tapette. Le truc de la tapette, c'est le drame de la tapette. En fait, je suis une tapette à mouche et je vis mon drame parce que personne me prend pour la bonne chose. Il me prend pour tuer des animaux et ça me rend très triste. Massacré. Transformé au fil des stages et au fil du temps. Alors il y en a qui sont plus expérimentés que d'autres, mais peu importe en fait. Et je trouve que c'est chouette de voir l'évolution en fait. Et ce qui est intéressant, ce que je vois à travers les autres et parfois à travers moi-même, c'est le lâcher prise. Le lâcher prise total en fait on est là, on y va. Et ce qui peut se répercuter ensuite sur la vie quotidienne, de lâcher prise dans la vie aussi et d'y aller, quoi. Peu importe ce qui se passe dans notre vie, tout obstacle est surmontable et on y va avec un nez ou pas de nez. Ça va passer, quoi. Ça va bien se passer. Thank you.
Donc vous voyez, vous, les Garlopos, c'est un endroit où il faut être ce week-end. Un endroit où on refait l'amour. Parce que c'est beau, l'amour. Bonjour madame, venez par là. Mais je ne reviens pas du marché, mais qu'est-ce que vous racontez ? Où étiez-vous, madame ? Mais j'étais avec les jeunes. Ah ! Vous aussi, vous étiez à refaire l'amour dans le jardin ? Mais oui, ça fait du bien ! Ça fait du bien ! Ça fait du bien ! Mais pourquoi vous mettez... C'est l'excitation. Oh, quelle horreur ! Et donc là, nous avons... Ah, madame, c'est la technicienne de surface. Bonjour madame. Ouais, je suis désolée, j'ai pas le droit de parler, je suis clandestine. Ah, madame n'a pas les papiers. Demain, c'est la première. Ça va être... on est hyper prêts. J'ai mal partout, je sais pas mon texte, je pense que tout va rater et qu'il va pleuvoir, peut-être neiger et il n'y aura personne. Oh, ça va le faire, hein? Ça va le faire. Ça va le faire. Oh, mais dis-leur que l'on s'aime. Dis-leur que ça nous fait du bien. En quoi cela serait-il un problème? Nous nous tenons par la main. Oh, mais dis-leur que l'on s'aime. Dis-leur que ça nous fait du bien. Non, nous ne sommes pas un problème. Nous sommes le monde de demain. Dis-leur que c'est ainsi que naissent les colombes. Dis-leur que c'est ici que commence le nouveau monde. Dis-leur nos cœurs qui s'ouvrent quand le monde s'isole. Dis-leur qu'on se retrouve émancipés des camisoles. Dis-leur nos corps qui vibrent, nos notes de musique. Dis-leur que nous sommes libres. À chaque pas de danse sur la place publique. Oh, mais dis-leur que l'on s'aime. Dis-leur que ça nous fait du bien. En quoi cela serait-il un problème? Nous nous tenons par la main. Oh, mais dis-leur que l'on s'aime. Dis-leur que ça nous fait du bien. Non, nous ne sommes pas un problème. Nous sommes le monde de demain. Dis-leur qu'on est unis, dis-leur qu'on est ensemble. Dis-leur qu'on est en vie sur cette terre qui nous ressemble. Dis-leur que l'on avance, que c'est inexorable. Croisant nos différences, suivant l'inaccessible étoile. Dis-leur que l'on invente un autre champ de possible. Comme ces oiseaux qui chantent au petit matin d'un grand soir, heureux et indocile. Oh, mais dis-leur que l'on s'aime. Dis-leur que ça nous fait du bien. En quoi cela serait-il un problème? Nous nous tenons par la main. Oh, mais dis-leur que l'on s'aime. Dis-leur que ça nous fait du bien. Non, nous ne sommes pas un problème. Nous sommes le monde de demain.
lumière, nos cœurs qui s'ouvrent quand le monde s'isole. Dis-leur qu'on se retrouve émancipés des camisoles. Dis-leur nos corps qui vibrent, nos notes de musique. Dis-leur que nous sommes libres à chaque pas de danse sur la place publique. Oh mais dis-leur que l'on s'aime. Dis-leur que ça nous fait du bien. En quoi cela serait-il un problème? Nous ne nous tenons pas la main. Oh mais dis-leur que l'on s'aime. Dis-leur que ça nous fait du bien. Non, nous ne sommes pas un problème. Nous sommes le monde de demain. Je suis à ta merci.